Hello, 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 hello. Good evening, everyone. Bonsoir. Buenas tardes a todos. Yes, c'est Docteur Luiné. Moi, entre la carrière après-midi, qui c'est dimanche, dernier jour, qui c'est dernier dimanche, et c'est dernier jour dans le mois de mai 2020. Moi, entre la carrière pour une nouvelle édition. Et quel que soit côtoyer dans le monde là, depuis c'est Pison View qui prépare l'examen pour Messine avec LPN, docteur lui est là, à Soya, dans même là ça, à côté de 8h du soir, chaque dimanche, pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous là, pour nous dire ou capable d'examen, mais guess what? Ou besoin yon tuteur, ou besoin yon professeur, ou besoin yon moun ki konnen za fè review ou examen klekso. Donc, mwen pran inisiatif sa nan West Palm Beach, Florida, pou mwen ankouraje jen Haitien, pou mwen ankouraje kominote Haitien nan, pou mwen di ke oui ou kapase examen kleks, men ou besoin yon moun ki dit qui pas ouais de avancer bien vite ou bien arriver vite pour le chita pour dire oui c'est en créole dans la langue maman dans la langue papola li pour dou ou doué apprendre et ou doué connaître technique ou doué connaître stratégie ça yo pour aller passer examen LPNU avec examen ANU. Je prends une initiative pour me faire li parce que moi-même moi fougueux et m'gen kon pile courage pou m'fèl et m'konnen m'pral pran yon initiative kap strong konnen la strong pou mwen mais m'pral mete very strong pou m'pran pou m'kontinye avèk li pou ke person pa di m'dekouraje mwen pou pa di docteur Luiné ou te bien commencé good job guys I've been doing it for years depuis en Haïti ke m'ap teach. M'entrée République Dominicaine fait carrière de Port-au-Prince à République Dominicaine, elle finit m'entrée ici, ma petite. Bablo comprendre que son bagage tellement vite fait. I love teaching. C'est pas parce que me finis. Et avant tout, pour mon cap suivre la première fois, c'est docteur Luiné, c'est médecin de profession pour République Dominicaine. Qui c'est île voisine non en Haïti. C'est là que je t'ai fait. Doctorat ça. Donc, m'entre États-Unis, m'continue et me dit non, bon prend yon bachelor toujours qui gen rapport avec médicophile et puis me fait un bachelor en attendant pour me capable dire communauté haïtienne nan, ou gen un leader ou gen un jeune garçon qui capable aider passer examen même chan l'autre communauté yo dans l'autre communauté nou wè yo fèl dans langue pa yo qui c'est espagnol américain nan fèl dans langue pa la tout américain noir la fèl américain blanc li fèl tout dans langue maman langue papa la fèl m konnen examen li écrit li et li fait en anglais mais si spanish la li même li prend décision pour li apprendre comment pour passer examen en espagnol. Les gens qui sont professionnels déjà, les gens qui sont dit ça déjà, qui sont l'autre pays, par exemple Cuba, Venezuela, ou bien Chili, quel que soit côté pays, ou bien République Dominicaine, ils sont avec des grés déjà. Des gens qui ont doctorat déjà, des gens qui ont une licence dans le signe déjà. Guess what? Ils apprennent comment, qui technique, qui stratégie cachée derrière passer examen dans le signe. Là, au fin fait ça. Yo apprend ni nan lang pa yo ki se espanyol. Yo supporte moun sa kap ede yo. Yo respecte moun kap ede yo. Yo tolere professeur sa yo. Parce que professeur kap ede yo, majorité professeur kap ede, nursing student en espanyol, ce sont des médecins de profession nan pays yo. Moi même en tant que médecin de profession tout, je choisis pour me faire communauté nan, pour me lever communauté pa nan moi même. Qui ouvre l'île, qui ouvre l'île, l'une a aidé la communauté haïtienne dans la langue créole là pour aller passer l'examen. Ou même, au niveau déjà,
Ou konnen ki sa ou ka fè, ou konnen ki kote l'ekòl deja, ou konnen sa ou fè deja, ou konnen ki sa ou te fè. Ou ap bezwen plus, ou ap bezwen moun ki pou eksplik ou an kriol, tande? Ou ap bezwen moun ki pou djou, ki jan pou pase eksamen sa an kriol. Ou bezwen moun ki pou teach ou, ou bezwen moun ki pou ansenye, ou bezwen moun ki pou montre ou koman pou komprann tèm nan pou al pase l'eksamen. Ou pa bezwen ou anglè toujou nan zore ou, paske anglè li pa lang mamon, li pa lang papa ou. Mwen gen 33, 34 moun nan live mwen. Comme d'habitude, donc on formule là déjà. On formule là déjà. On a besoin ça. Comme d'habitude. On a besoin d'un feuille papier. On a besoin d'une plume ou bien d'un cahier pour prendre note. On a vu une motive. Merci parce que tu as partagé. Merci parce que tu as dit aux amis. Merci parce que tu as toujours pris une vidéo à vous et à l'autre ami. Merci. Ou même qui toujours cher live, mais merci. À ce soir, on a fait le même travail. Ça. C'est comme ça pour encourager moi-même tout pour me capable camper, pour me capable chita chaque dimanche là dans le ça pour me quitter tout travail moi tout temps, que me prend tout temps pour m'encourager. N'a demandé chaque monde qui dans live moi ou même qui voulait ou connaît ou habitué au travail que m'a fait ou partager là avec un ami, ou partager là avec 10 amis sur groupe WA, 10 amis at least même si nous joignent 5 qui well. Une fois que moi ou partager la vla 10 moun, dis-moi qui kotoye ou même compris là déjà, est-ce que c'est Boston, est-ce que c'est New York kotoye, dis-moi qui kotoye et puis représenter dis-moi non et cetera kotoye. Non dis merci d'avance. Partager la docteur Lunéa pour le arriver dans toute state qui États-Unis et puis pour même arriver au Canada tout. Partager. Tout autant que pas partager la moyen pour encourager pour partager. Pour moi-même, pour m'encourager, pour me teach, pour m'enseigner, pour me dire que ça pour faire, ça pour veiller dans l'examen. Ou même capitaine, ou même game, mon capitaine, depuis à 5 heures même. Ou partager la minimum avec 10 personnes qui ont besoin. 10 amis. Partager. Nous pas fait le même travail. Là. Si vous ne pouvez pas gagner 10 personnes, chaque monde qui dans la voie, depuis que je garde nom, je clique, je garde moi pour partager, je ne peux pas commencer la classe. Je ne peux pas être prêt à commencer. Vous voulez me commencer bonheur, vous voulez me voir plus d'informations, partagez live là. Alright guys, thank you so much, thank you guys for sharing my life, thank you guys for sharing the news guys, you guys are awesome. But, guess what, Dr. Luiné, il est vraiment, vraiment sensible, content de travailler avec des monde, des étudiants qui vraiment, qui respectent le monde, qui comprennent et qui vraiment, vraiment positif. So, ou même qui besoin review avec tout respect que m'gen pour avec tout respect que pour moi review ça c'est pour vous lié et m'a aidé par cet examen ou besoin suivre principe moi ou besoin suivre discipline que m'ba ou yo ou besoin suivre comment m'titchou qui ça m'dou que nplex remet qui j'aime dou yo remet ba question suivre moi fais ça que m'mande ou faire parle fait question pas répondre pas chita devant dans computer pour examen en cuisson et puis pour ces même habitude là au kembe avec docteur Luiné qui prépare pour examen pendant 3 mois préparer moun pendant 3 mois guys I can prepare you for I mean in 3 months guys guess what you got to be patient you got to focus ou supposé gain discipline you have to get to have discipline guys to pass NCLEX. Et classement de discipline, il demande pour étudier, pour focus, ou besoin principe, ou besoin stratégie, ou besoin technique, ou besoin comment pour apprendre tes mieux. Guess what? Call me at 561-319-4660, guys. Ou besoin tuteur en créole, dans la langue mamolan. Ou besoin professeur de classe. Yon professeur qui a enseigné tout bon, ce qui est dans le même système haïtien pour fouiller topic là dans tête. Ou? I don't do review. I do teach. It's like I'm having a school or nursing school the way I teach, guys. Étudiant qui dans la voie qu'a dit ça. I don't do review. I do teach you how to pass NCLEX. I don't read PowerPoint to you. M'pa li PowerPoint. I don't read handout to you. I explain you the PowerPoint slide by slide. The handout you have, I'm gonna go over it page by page pour comprendre partager si nous pas partager m'pa pas gagne quantité moun ki m'doit gagne pour commencer m'gagne 40 combien moun m'veux pour partager dim ki kotoyé guys dim ki kotoyé partager guys review ça ou même qu'a préparé examen LPN ou même qu'a préparé examen AN ou besoin tuteur c'est raison ça que fait me faire live yo
Moi pas faire là pour me teach, pour me dire, let me do teach. I don't do live guys like to you get the videos, you collect all the videos and then you go take the exam. It doesn't work like that. I do facts. I do teach some facts que y aurait mes bails. Pour montrer comment que m'enseigner qui j'aime mettre les ma teach ou qui j'aime ca teach ou c'est pour capable ouais que dans communauté haïtienne là gayon professeur gayon médecin dans communauté haïtienne là qui chita dans West Palm Beach là qui ca aide pas examen vidéo que me fait live que me fait le dimanche moi pas faire pour passer examen avec yo comme si ça suffit non guys moi bord des facts que montrer que mais comment me teach. Mais vous besoin consacrer les core content pour passer examen Clex. Guys, you do not collect little videos there, little videos here juste pour passer examen Clex. You got it very wrong. OK? On moun cap collecter vidéo qu'on va prendre avec des petites vidéos ça me fait là 30 à 45 mais c'est me prend temps pour me parler, me prend temps pour me faire advertising pour review ça. M'pa quoi avec petites vidéos qui m'a pété faire pour pas collecter pour passer examen. Ou bien reler ruiné dans 561 319 46 60. Merci moun ki met numéro. Merci guys. Thank you so much. You guys are so awesome. Thank you guys for putting the number. And then it's 561-319-4660. Thank you guys. Listen guys, tell me where you at. What state are you? How you at guys? So pendant koto yi a nan state koto yi a, dim koto yi pou nka commencé. N'a commencé dans quelques minutes encore. Moi, je voulais pour partager pour moi la minimum. Avant que je commence la là, je me suppose que j'ai 100 monde. Je suppose que j'ai 100 monde minimum pour capable commencer la live là. Pour capable commencer la live là. Et je vais numéro plusieurs fois. Je vais numéro. Et si nous capable pour type live là, nous allons parler de pediatric. Ok? Pédiatrie. Nous allons parler de quelques maladies que vous devez connaître et vous devez payer attention tout dem gaz. Ok? Nous allons parler à ce de. The inborn disease and intussusception disease and inborn disease que yo remen bay ça yo m'va prendre deux ça pour me parler sur yo asoya avec vous mais avant que me commencer parler de yo pour me dire qui ça pour veiller qui ça pour faire attention avec yo et moi voulais vous partager avant partager minimum avec 10 moun partager avant ou même capitaine si c'est pour la blague ou après jusqu'à ce qu'il finisse. Moun ki konnen importance docteur lui il a fait live ou bien la ptiche après jusqu'à ce que la bla fini. Mais ou même si c'est pas soit passé, m'ta pour un petit temps pour suivre qui est-ce qui docteur Luné qui ça m'va le porter pour. Sous pressé, c'est pas pour live ça parce que la moi m'pa pressé, même classe même affaire, les ma ptiche moun pour passer examen, flex tout m'pa pressé. Bagay que m'capable faire dans 1 heure temps faire dans 3 heures temps pour make sure mettre dans zo bra tête. C'est comme ça m'fait review. Pare te chita garder. C'est les quatre passés sous pareil, tu as étudié dans la même méthode que tu as utilisé, ou passe examen, ou pour examen 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, pas jamais capable, ou à guess, ou à collecter vidéo docteur Luné pour passer examen, clair. Et mais guess what, ou besoin docteur Luné là, pour face à face, pour la petite chou, pour la du comment pour passer examen, qui stratégie. M'a dit en devant là, le dimanche, m'vin motiver au monde. M'vin dire au monde que, y'a un leader dans la communauté haïtienne, qui ka aide. C'est pour relèm pour enregistrer. Relève pour enregistrer, relève dans 561-319-4660. Relève pour enregistrer, guys. Please, guys. Ou pas qu'à relève, et puis c'est temps pas moi perdu parce que tandis que y'a l'autre monde qui besoin en review, grand monde qui besoin de tuteur, qui pour enseigner le passé examen, hein, qui pour montrer aux techniques, à stratégie pour répondre à ta question, yo, ou besoin de leader, ou besoin de tuteur, un monde qui a dit dans la langue créole là, qui gens pour aller passer examen. Gen moun ki bezwen wèm, gen moun ki bezwen tande m. Ba yo chans. C'est pour partager live là. Di yon zanm, di yon fanm, di yon ti kouzin, yon ti kouzon, yon ti nèpòt moun nan. Di yo ke gen yon leader nan communauté haïtienne kap teach, c'est pas review, m'pa fè review m'teach. Kap teach nan lang kreyòl la. Comment pou al passe examen Clex? Suspend. C'est pour nous supporter. Non là pour nous supporter l'autre nation mais non pas voulez supporter et n'a pas tant pour l'aime là pour nous chita en balade moi c'est pour supporter même gens moi même là m'a encourager chaque dimanche là c'est teach moi teach moi pas faire live moi pas venir bon comment vous passer examen fait tout bagage non guys I am very smart enough
pour m'ta connaître que m'ai un CD content que m'a petit étudiant quand on passe examen pour m'ta venir avec pour m'a baou tout dimanche m'a porter au baoué hein moi vinn boire des bagages que pour motiver bagages que capable joindre par hasard dans examen même vinn dou deux petits bagages pour m'tich pour m'dou mais comment m'tich mais ça pour veiller bot c'est pas tich vinn tout c'est pas avec deux petits bagages vinn baou chaque dimanche et puis pour collecter ou comprendre pour passer examen plaît examen plaît is very serious guys it's a serious exam. You don't play with that. You need to study. You need somebody to teach you. Okay? So my videos, guys, let me tell you, c'est pour motiver vous, c'est pour me dire que mais comment me teach. Okay? I want you guys to get it and motivate and get motivated. Get motivated, guys. Please call me. Encourage me too. Back up, encourage ou pas encourage. Guys, NCLEX mandé vous faire sacrifice. You gotta make sacrifice. Guys, you have to make sacrifices. C'est pas juste que tu veux comme ça et puis you don't want to spend money, you don't want to buy any book, you don't want to buy anything and you're going to take the exam, boom, you pass. Now, c'est pas en magie ou pas le faire pour passer l'examen. Sinon, tout le monde t'a pas passé déjà. Ou bien c'est pas prier pour prier seulement et pour prier bon Dieu et ou même qui est fort pour faire. C'est pour faire faire step là, bon Dieu lui-même l'a fait reste là. Yes, God is the powerful God, but you got to do your part. OK? Listen guys. Li 8h15, je suis supposé commencer, 8h15. Mais avant que je commence, je ne vais pas commencer pour me parler qui est ou même ou partager. You gotta share the life. Share life là. We're gonna be speaking about Hirschsprung disease and intussusception. Ou même qui là, qui peut examiner déjà. Peut-être ou entendu, oh, c'était bonne question ça, oui. Je vais dire comment pour veiller, qui ça pour veiller dans l'examen, etc. Juste pour m'encourager avec des sifaks ça, juste pour montrer comment me teach, comment me carencer un dos passer l'examen. Mais après la vla relé moi pour me caider. Pas arrêter là pour dire c'est chaque dimanche. Combien dimanche vous va le collecter pour aller passer examen ça? Non, combien dimanche vous va le collecter là? Vous va le collecter 20 dimanches comme ça ou bien 50 dimanches? Parce que I don't teach. Moi faire live pendant 3 mois. A review. The review guys is up about 3 months. Guess what? 3 mois pour me couvrir content avant pour me faire question, pour me faire ça taille avant. Select all data apply question. Teach you how to answer question in 12 weeks. In 12 weeks, I do that. So come on, how you gonna pass NCLEX just because ma petite vidéo la 30 minutes, ma petite vidéo et puis ma petite quelques questions avant vous motiver et pour même comprendre pour décourager pendant ce temps que vous pas voulez reler pour venir prendre review ou attend vidéo guys, it doesn't work like that guys. If you wanna help me, call me so I can help you pass your NCLEX exam. Thank you so much guys. Keep sharing the live. Ou besoin d'entendre bonne information, ou besoin d'entendre qui j'aime moi-même, si ça qui est ce qui docteur Lunia, rete, partagez-le, m'a bin sou just dans une minute encore pour me commencer avec teaching pour vous, avec motivation pour vous asseoir. Nous allons parler de deux maladies dans ou joindre dans infant, dans infant ou bien dans babies, les petits moun yo fait automatiquement vous capable jouer un problème ça vous capable jouer un problème ça tout dans l'âge le timoun est considéré comme children or infant. So maladie ça que nous allons parler à voilà c'est Hirschsprung disease écrit Hirschsprung you really Hirschsprung disease. Thank you, Mish. Toujours mettez information. Thank you guys for sharing my information. Thank you so much. You guys are awesome. C'est nous-mêmes qui toujours encourager. Otherwise, travail ça va pas être possible sans vous-même. Merci. Continuez partager. Dim qui kotoye. Continuez partager. M'attend. Maladie ça yo qui m'va parler c'est maladie qui toujours joine au niveau de colon yo c'est toujours au niveau des colon mais n'a pas le pédiatrique gaz donc ou même haïtien ou compte bon bagaille ou remet motiver moun ka fait bon bagaille ou remet supporter moun mais en soi n'a mando une fois encore pour travailler ça possible pour capable continuer avec live là chaque dimanche pour vous. Toujours partager. N'attend nous même qui là partager le minimum avec 10 monde. N'attend nous ou pas partager, nous pas commencer. M'a commencer sous besoin attend.
moun ki bezwen a l'attend docteur Luné commencer avec Titine là. Donc avant que me commencer m'attendre pour moi qui est, ben me garder pour moi est-ce que Didino la fête brancher, est-ce qu'on partage Milan Napoléon, est-ce qu'on partage Michel France, est-ce qu'on partage parce que me pas connait combien moun ki partage là. Et moi gen Mich Youngo qui toujours là présent. Est-ce qu'une partage? Est-ce qu'une partage c'est ça qui est important pour moi? Est-ce qu'une partage? So, une fois que moi partage, moi arrivé dans la quantité que je dois arriver à, m'a commencé. OK? Guys, yes, review a automatiquement moi expliquer en créole. Moi explique au terme en créole, même Jean Spanish là expliquer terme yo en espagnol avec Spanish yo. Guess what? Majorité espagnol le Spanish le prend examen en collection nursing RN avec elle puis yo passe examen et m'gen bon zanmi qui me connaît qui pas parler anglais qui était dans classe avec moi et yo passe examen. OK, donc ou même qui besoin connaît c'est en moi faire li en créole, moi explique en créole mais thème yo m'pa croire on moun pral di ni en créole yo écrit non m'pa faire package ni en créole m'pa faire rien en créole gars c'est expliquer m'explique on traduit pour qui sort de connaît en espagnol. So si m'a regardé là ça au son premier ça c'est core content là ça c'est premier partie là c'est core content. OK, so ou besoin acheter un package ou, pour une raison pour l'autre pas bien temps avec ce que je bail là ou carré les moi ou acheter package là. Guys, if you want a package and you don't speak Creole and you are under my life, you can call me at 561-319-4660 to order your package. It's in English and it's really detailed with that's a lot of information in there. Ou besoin ça, if you need psych content, I have them for you. You want to know more about OB psych medication, OB medication, I have them for you. If you need facts, everything that I'm talking on live every Sunday, I do have them in that. The other one is the fact. The other one is fine. I know you won't be able to see it, but I'm showing you what you have two handout. You have two booklets, guys. You have two just for a few bucks because I took my time to make sure you have everything you need to pass your NCLEX. But you need to study. You need to understand and study. Okay? All right, guys. Just pour package là, ou capable order do ou même tout même sous que ou nan review capable order quick fac là ou capable gagner plus information comment pour passer examen. OK, so far depuis m'pa arrivé dans 100 moun, ça veut dire pas gagner moun ko partager vraiment parce que une fois que partager m'a arrivé dans 100 combien. OK, m'a tande non avant que me commencer sinon m'a juste parler d'un seul thème et puis non fini. OK, because Facebook doesn't pay me, they're not paying me for that, they're not paying me, yo pa paye m pour ça m'a faire là. C'est juste moi-même qui senti que moi ouais nécessité en communauté haïtienne et puis me choisi chaque dimanche dans l'est ça pour dans tout pas gain temps pour m'occuper tout espace temps moi et puis me quitter toute bagaille moi pour me venir là. Combien monde qui fait, m'ta content si me te jeune haïtien te fait avant que me dal prendre examen flex pas dans moi-même. OK, m'a temps pour moi combien monde qui partager, depuis partager m'a privé dans 100, depuis partager là 5 monde minimum m'a privé dans 100 ça. OK, m'a temps non. We're going to talk about East Pond disease, guys. East Pond disease, what it is? East Pond disease, what is that? On va parler des problèmes côté que moun sa ti moun sa ou pa gen sa crele abdominaux, y a gen abdominal pain, y a gen vomiting, y a gen diarrhea, y pa ka manger, y a gen sa ka manger, non ben di maladie m'bal zo la, ti moun sa ou pa gen c'est des caractéristiques les vomi, gen vomi a changer couleur, gen sa comble. On va parler des méconium nan ou de konnen, hein? Méconium. Ça passe, what is meconium, what's going on, qui est là donc qui a problème meconium dans des maladies ça gen East Pond disease, mais gen into susception. Mais pas deux qui différence qui sont de connait, how do you treat them, how do you manage those two? Share the live guys, share the live, tell me where you at guys. I don't give, so if you need to know the price, vous besoin qu'on prix package là, vous besoin qu'on prix review là, text moi, inbox me. Text me at 561-319-4660. If you need to know about the price, just after the live, you can text me or call me, guys. Okay? So you don't have to ask me about the price now. Because I'm live right now, and I'm my focus pour me teach, pour me dire ça, pour me connaître, pour examiner, en plex. En aller. Ou même qui toujours sous la main depuis au commencement, depuis ce jour 1, depuis ce premier jour à suivre live, moi. Je garantis que vous préparez l'examen LPN.
ou à préparer l'examen ANO. Ou pas chambre les. Je connais qui est souillé. Moi, je suis vous. Chaque 3 mois là, nous pas chambre les. Ou acheter package, ou capable suivre classe. C'est pour encourager tout. La vla me fait, c'est pour encourager. Je ne vais pas faire quoi passer l'examen avec elle parce qu'elle pas suffit. Il pas suffit pour passer l'examen. Hein? C'est pas teach ma teach. Ok? Moi, j'ai 12 chapters. I cover with all my students before you take the board exam. Okay? 12 content minimum or 13 content minimum to cover in 12 weeks. Avant, guys. Dans 12 semaines, couvrir l'avant, avant tout, elle prend examen en clex. So, imagine nos 12 chapters, on y prend 3 heures de temps pour m'expliquer chaque chapter. So, there, guess what? You need to call me. You need to call me, guys, and encourager. Okay? And allez. Guys, eastbound disease, ni eastbound disease, ni intussusception, tous les maladies ça rejoignent au niveau des GI problem. It's a GI problem in kid. Guys, it's a genetic problem. It's a genetic disorder. It's a genetic disorder que ti moun nan fait avec. Que ti moun tout dans deux cas ça m'a présenté là qui c'est inchpong. Ishpong disease avec intussusception non c'est que au capable jeune ti moun ça li fait avec lui ou bien ti moun ça vient développer problème ça environ de 2 ou ap jeune problème ça au capable venir environ de 2 jusqu'à 6 semaines ou bien fort au capable venir commencer à partir des 4 to 12 weeks même ti moun ça li vient développer et maladie ça yo que nous relé Ishpong disease là avec intussusception non. So I'm gonna tell you guys the difference between both diseases. So the deux maladies ça on va parler qui j'en doit connait yo et qui différence qui écrit Jean ou yo les ba question. OK? Donc Ishpong disease là c'est une maladie gaz qui chita automatiquement ou joigne ni. Attendez bien ça m'a dit là prends note. Get ready pour prendre note. Ishpong disease c'est une maladie que joigne au niveau de colon. Donc au niveau des colons, li la pou les maladies a vinn attaquer gaz, problème maladie ça c'est comme si ou vinn gen ça qui relé yon moun sa yo et problème numéro 1 ti moun n'a parlé de Ishpong nan avant pour ka comprendre. Ishpong nan c'est jambe dou la son congénital disorder, son congénital ou fait a ti moun en fait avec automatiquement ti moun sa problème qu'il gagnent c'est au niveau des colons. Yorelel méga colon. Attendez, ça ouille lui. Yorelel méga colon. Yorelel tout colon, c'est l'el enlarge. Colon is very enlarge. Li enlarge. Li vraiment vin élargi. So, colon ça, li caractérisé. Problème numéro 1, souligne ça, prend note. Numéro 1, problème numéro 1 pour veiller le bord. Le yo parle de Ishpong disease. C'est constipation, guys. Persistent constipation in those babies. Souligner le brano. On va prendre ça là. Problème Ishpong, non? Non, on le yore Ishpong disease. Yore le congénito aganglionique. Aganglionique mégacolon. Yore le Ishpong disease or aganglionique. Méga colon. Souligner non, yon bon différent non. Yon il li enlarge, le colon vin l'agi, enlarge colon. Premier caractéristique pouve, symptôme qui pouve ya, yon il li persistent constipation. Ti moun sa ou toujours constipé, yon constipé. Ou abam nouvel lo constipé, qu'est-ce qui passe? Imagine un ti bébé constipé. Ça qui passe là oui ganglion Sergio so vinn gen ça crele colon nan colon an ou gen on se de 16 celle ça ou vinn pa ka répondre yo vinn gen yo fèl pou yo répondre avec besoin colon ça so vinn gen se de nerf là ki pa ka répondre là yo le ganglion nerf yo pa ka répondre yo affecté. Ce problème ça, c'est l'os intestin ou joigne. Mais ça fait du colon, hein? Colon, méga colon. C'est dans l'os intestin ou joigne problème ça. L'os intestin, guys. So therefore,
raison qui fait si moun sa yo vin ap gen complication sa yo, ou vin gen sa ki rele le ti moun a constipé, li vin ba yon résultat, ou vin gen sa ki rele obstruction of the intestine guys à cause de misine yo vin pa ka répond à besoin yo et nerve qui nan intestin yo ou vin gen kek nan la pa répond ou bien pas présent qui absente qui vin pa ka répond qui vin cause ou vin gen yon obstruction souligne mot obstruction pour moi le fait que ou gen obstruction fait so ti moun sa li vin gen difficulté pour li faire besoin yo le sa obstruction qui va le causer qui causé par yon constipation qui va le causer constipation ça dans ka ti moun sa problème ça each one disease up commence gagner ti moun a commence gagner li capable depuis ti moun a fin perd 48 hours ou capable j'ai un problème ça at birth or 48 hours after birth prend note 48 temps après ti moun sa vin fait na qui est-ce qui est capable de dire, tenez bien oui, problème non son problème des stools, si moun sa, stool sa pas passé, ça non relé number 2 wa, li pas vle passer parce que gen obstruction qui fait. Gen obstruction qui fait au niveau des colon, hein? So li vin pas ka passer stool là. Nous voulons pour souligner donc it cannot pass the stool is not passing. So therefore problème ça ou vle pour connait hein yo rele li ti moun ça the cardinal sign qui est capable bam trois signes qui est important là on ti moun a pas de constipation je parle qui c'est number 1 non qui est capable dire là parle de méga colon là parle de Ishpong disease là qui ça bam trois symptômes qui propre qui caractéristique maladie ça ma quoi qui est qui veut écrire trois symptômes pour moi qui caractéristique problème méga colon problème Ishpong qui est capable de dire qui est qui quatre symptômes qui des pour symptômes ça oui c'est problème Ishpong même trois symptômes des pour c'est Ishpong disease ti moun sa gen en aller pas blé m'dou ti moun sa va ka passer stool li. Qui est capable di m'lon bébé fait? Bon, let's story about the question. Can somebody tell me when the baby is born and then ti moun nan fait li pa ka passer stool la? What is the name of it? That's the question right there. The baby is born, li pa ka passer gen ki di m'dawe ya, c'est bien good job, c'est bien amasson weight loss, yes. Listen, what is the name of that? When the baby cannot pass the stool. What is the name? L'on fait, le ti moun en fait, li ti moun sa, li pa fait toilette la premier type toilette la. Bravo, bon moun ki te di mi exactement meconium problem. De ti moun yo rele li meconium. De ti moun sa, yo rele sa failure to pass meconium. What is that one? Failure to pass meconium is one characteristic pour moun ki gen problème Ishpong disease là. Pas oublier Ishpong disease là, son problème au niveau de large intestin. Intestin qui plus large là, c'est lui-même qui gen problème ça. Faut pas confuser avec small intestin là. OK Muriel, on te bon plusieurs bagaille. Meconium Didi, good job meconium. Guys, the meconium, what is the color of it? Can somebody tell me qui couleur? Est-ce que c'est brown? Brown, dark or green? What is the white color? Et ti moun sa gen tendance tout pour et ti moun sa yo le very 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 constipated ou et ti moun sa yo gen tendance yo ka bon photo yo moun tout ki koule a sa kap sorti si ti moun a vomi ki koule vomi sa yi. OK, nou gen abdominal distension, good job. No Naisha, when the kid is, for example, guys, when I'm talking about the vomiting, green, good job, this in fact, green, the mostly is the vomiting. I'm talking about the vomiting now. Constipation, si mouna pa kapase stoula, li green, et meconium non li green, good job. Now, listen, guys, cardinal sign sa yo, sin ke ou dwe veye ya, le oman do sin ki pi important ki pou veye yo, guys, the very first early sign yo, yo li meconium, failure to pass meconium, the very early, or the cardinal sign, écrit pour moi,
cardinal signe que vous voyez, il y aurait les lits, failure to pass meconium. Si vous ne savez pas passer meconium, là, vous avez inch pound disease. Gaz, dans le mot inch pound, pour vous comprendre, inch pound, moi, ouais, pound signifie l'on moun de constipation, si tout le grand moun, nous toujours appris pound. So, avec mon inch pound, vous allez comprendre ce problème de constipation. Bon, bah, technique là encore. Depuis que vous avez inch pound, caractéristique principale pour chercher ces problèmes si moun sa pa toilette. So nan ispoun nan pouin le ou même kap ka pati gran moun ko sa m ap jwa bien nan mo spoon mwen wè ke si moun sa gen problème constipation ou bien si moun sa doun na pas de meconium the stool doesn't come. So automatically m di ok depuis ou di ispoun gata konnen the very very first thing guys is constipate. Si ba ka la li obstruye li gen obstruction ou pa kapab fè toilette si moun nan pa kapab fè toilette li vin constipé. So you may the kid may be constipated ou bien di capable gagner ça qui relé diarrhea tout. So later après les fin wè que ti moun gen failure pour passer meconium nan, li pa gen l'autre signe que yo relé classic sign. Mes amis souligne oui, classic rebound lack stool, write it down. Classic. Là n'a dit spoon, c'est comme si n'a dit bonbon. Spoon bonbon queen. So li gen yon, mes caractéristiques pour veiller pour qu'on ait le haut bot thème, il y a bon plusieurs pour qui est-ce pour prendre. Dans ispoun, mon ouais, mon ça, ti mon ça, les gens caractéristiques stool, il y aurait le ribbon, l'endap de ispoun, ribbon, c'est L-I-D-B et puis O-N guys, mais pour en français. Il y aurait le ribbon lack stools, ou bien si moun sa, imagine leur constipé ou même si moun nan leur constipé, toilette sa pap gen bon sang, yore le li full smelling stool. Write it down. Full smelling stool or ribbon like stool or ribbon ribbon like stool, j'aime zo dia, make sure souligner ça pour moi. C'est yo même kap déterminer pour répondre question. Y a dou si moun nan fait li pa passe meconium ni ou bien les toilettes les hautes toilettes là yo elle couler toilette là gain en caractéristique en couleur les ribbon lac parce que c'est des bouts de bagage pas oublier là regarder l'âge colon pas oublier c'est là et toilette la sortie gaz li fait tant que petit bout ribbon lac et puis li vinn gain ça qui les liver full smelling stool. So, imagine ou a constipé. Et ça fait que constipation c'est number one pour veiller dans la question. Et les répondre question ça, les répondre question ça, les bayo, c'est comme si yo dou spoon, quand on veut spoon que moun sa toujours apprend bagage ça pour éviter constipation là. Si moun sa yo vomi tout, puisque ti moun a constipé, so therefore yo gen vomi. Qui est-ce qui a dit qui caractéristique vomiting là? What is the characteristic of the vomiting guys? And each spoon disease. What is the characteristic of the vomiting? Ki karakteristik la ti moun sa vomi, koman vomi an ye? Ki koule vomi an ka ye, ki jan yo relil? An ale. What is the name when they vomit? Yo vomi, but what is the characteristic of the vomiting guys? You need to know that. It's green, good job Colette. So what is the other name? When it's green, ti moun sa yo vomi, what is the other characteristic besides of green? They're not going to tell you green or green bad. When do bad? So therefore, what is the name? If you don't want to say it's a green bad, vomiting, go on lot no yo bay. Ti moun sa kapab genye sa ki rele non-bilious, not projectile blanc. This is not the characteristic. This is not it. Projectile vomiting nan son lot disease ke nou pal pale sou li apre se pa kounye. Okay, listen guys. Yes, comme on dit explosive, yeah. Listen, guys. Vomiting ça, vomissement ça, yo le li bilious. Bilious vomiting. C'est B-I-L-L-I-O-U-S. Write it down. Bilious vomiting, non? C'est li même ti moun ça, qui ont bills. Ouais, ils ont bills souvent. Ils ont bills sur l'estomac, moi. So, yo le bilious vomiting. Remember that. Ti moun ça, yo. Puisque yo very constipated, les gens sont dit ya very constipated, y a gain ça qui relé abdominal distended.
y a bien abdominal distension, il y a bien ça qui relé et ti moun ça a tendance pour gagner ça qui relé bilious vomiting. Et là ok non bilious vomiting non c'est dans early stage yo, mais dans là commencer arriver dans late, il va gagner ça qui relé bilious vomiting côté que ti moun a vomi, vomi en sorti couleur vert. Mais chaud comme ça souligner ça pour examen. Gaz nan ti moun sa yo piske yo gen tendance pou yo vomi et ti moun sa yo a vomi diarrhée yo capable gen diarrhée à répétition, pour éviter problème ça faut toujours veiller ça parce que yo remen c'est pour éviter ti moun sa pa arriver nan complication qui relé enterocolitis là, you don't want that, which is inflammation of the intestine or GI tract. Guys, you don't want to have enterocolitis na examen. You don't want to have it. Enterocolitis ça, vomissement, diarrhée à répétition sans arrêter, la cause ou vin gen inflammation nan niveau intestin, kote ke wap vin gen sa ki rele enterocolitis la. It's an emergency, it's a priority. Write it down. Enterocolitis is a priority. It's an emergency. Remember that. Now, j'en dis là, son inflammation de GI tract là, GI tract ou, freaking diarrhea, ou grand pizza, y a répété son freaking diarrhea, freaking vomiting, ou ti moun ka même gen fever, attendez, qui ça me dit là? Depuis ou ti moun gen fever, yon dit ou gen diarrhea, combien de jours, qui pou en plus jours, ti moun gen vomissement, gal, à cause que moi fever, m'gantan ou fever, m'gantan ou abdominal pain, inflammation. Emergency, call everybody, do not waste your time. Inflammation, GI tract là, depuis yon du fever, chills, si moun a gen abdominal pain là, gen diarrhée pour un pile jour, diarrhée tourne en col, gen vomissement sans arrêter, ou apprend problème ça, pas un petit problème. Le rele enterocolitis problem, it's an emergency. It's an emergency, call it ke povare. Remember that. Now, si moun sa yo, ma palo de inchpon disease là, si moun sa yo, le ou gen problem nan ki so dwe fè kom nes, mwen bo tout symptom pou veye yo, mwen bo tout symptom ou de veye yo. Mwen di plusye symptom, e mwen di ki symptom. Mwen kap di, projectile vomiting ou pa jwenni nan pasan sa ou du tout gaz, wap jwenni nan pyloric stenosis. Bakwen ap gen an kouvril pou, pyloric stenosis sa, mwen wap kouvril pou, se la. Sa se yon kesyon tou, pyloric stenosis, projectile vomiting nan. Nursing action nurse is condition. What do you do as a nurse? That's the question right there. What do you do? Ki so dwe fè lè ou moun, on ti moun vini, li gen constipation, ti moun nan la vomi, li gen vomi an gwil, pa pase mekonyom, li gen fever, li gen chills, ou be ti moun za, li gen lap tired tou, lò ti moun ap vomi, ti moun ap fatigue, lap gen letajik tou, lap gen tout problem sa yo, menm paran ti moun nan tou, li depressed tou, m vle pou kon sa, ça fait le bal fait management, faut toujours veiller éduquer par parents par ti moun sa yo. À tous ces temps que m'sou dou la yo, ti moun sa yo gen pile risque pour dehydrated guys, ou même d'après examen, ti moun sa yo gen high risk of dehydrated. Yo gen high risk guys pour arriver dans malnourished to, malnutrition guys. Yo gen risque tout pour gen imbalance nutrition guys. C'est ça on veut prouver en tant que nurse, une question en gaz pour répondre question en examen. So therefore, action que tu as dû poser ou tu as dû faire en tant que nurse, gaz faut connait histoire ti moun nan, story ti moun nan avec physique pour faire un bon examen physique. Good physical examination and then you need to know first the history of the kid, the family history guys. History yo, what is it? You need to know, guys, the characteristic of the stu. Si maman relo, ti moun nante, etc. Ou bien, fwa kon karakteristik ti moun za. The characteristic stu's la, fwa konen ki koulel, ki odeur, ki odeur. Eske l gen mauve odeur, si ti moun nante gen anorexia, doutou nou, pou menin, fwa konen karakteristik li tou, ki jan teye, ki koulel teye, etc. Ki jan smell, fwa kon sa. Irritability, faut checker ça, faut manager ça. Faut faire un bon physical examen, faut faire un bon physical examen. Faut assess pour un abdominal timoun ça, abdomen timoun ça, how distended it is. Faut assess,
faut assez abdomen non et puis faut connait que pour veiller signe qui montre que ti moun ça li gagne risque la poor nutrition. You have to assess the skin and check the skin. You got to do vital sign. What do you do first? You got to assess the vital sign. You have to, you guys, you have to wait the kid for peser ti moun sa tout. On ti moun ka vomi, ti moun sa ka diarrhée, etc. Ti moun sa faut toujours peser. Faut peser ti moun nan, faut faire vital sign pour yo. Remember that. Remember that. Ti moun sa yo m'vle pou konnen ke yo ka même entré en choc. Fais attention. Fais attention à question hein. Ti moun sa yo, yo grand pile électrolyte ki a perdu. Qui est-ce qui a dit qui est l'électrolyte qui est important en ti moun qui gagne hypospondylite ça selon symptômes. Qu'est-ce qui a dit comment potassium a pied, comment calcium a pied, comment magnésium a pied. Est-ce qu'il y a high ou bien y a low? Est-ce que ti moun sa perdu yon hydrogène? Est-ce que la blanche, est-ce que des losing potassium ou bien des gain potassium? Can somebody tell me comment potassium na pied, comment ion hydrogène na pied dans ti moun sa yo qui gagne cet homme sa yo. Guys, electrolyte, remember is you're going to have a big electrolyte problem. Low. Good job Mathilde Beya. Potassium going to be low, you're going to have a low, you're going to lose potassium. They're gonna lose potassium. What about calcium? What about magnesium? What about young hydrogen? Hydrogen, you want what pedil too? Good job, good job. Guys, whenever you have vomiting that way, yeah, you're losing water. Potassium always go low. Good job. Make sure you can examine. Now, diagnostic que vous devez faire, yeah, premier bagarre for assess for checking for the constipation problem. Remember, I mentioned you earlier, constipation c'est problème numéro 1 pour veiller dans ti moun qui gagne inch poun disease là. Pas oublier me dou poun, depuis ouais poun, moi ouais, c'est moun qui prend bagaille pour constipation. OK? C'est moun qui prend ça qui relé et médicaments pour constipation, guys. We have low calcium and low potassium, nursing student. Make sure you know that. C'est ça que j'ai fait semaine dernière en tout. Now, qui est-ce capable de dire urine output là? Guys, how's the urine output gonna be in those babies? High urine output or low urine output? Qui est-ce capable de dire comment urine output là pied dans ti moun? Merci Muriel, le low magnesium, good job. Now, can somebody tell me the urine output is, are you gonna have high urine output or low urine output? Guys, depuis on voit question ça on examen, c'est toujours veiller problème dehydration, pas ti moun sa a gagné problème potassium là, quoi problème calcium ti moun a gagné magnésium comment la pied, comment problème fluide là yé, qui genre urine output ti moun sa a pied, the urine output. Somebody tell me the urine output. Mission go. Moi gagne moun ki di low and concentrated, guys. Guys, when you have low urine output, ça veut dire what does that mean? Low urine output. Low urine output vle di nursing student, c'est lorsque moun nan ou pa pipi ou bien moun sa pa perdi de l'eau weekend water. Come on, nursing student. The urine output, guys. They have that way, yeah. They have the guys, those kids been vomiting. So if they have they been vomiting, yeah, vomi, how's the urine output gonna be? You gotta be careful with this question, guys. You toujours aimer bail yo mando ki sa ou dwe konnen comment urine output la, guys. You have to monitor en tant que nurse, ou supposé monitor input and output la. Ki sa l'entrée, ki sa le perdu, faut konnen sa yo pour examen, faut konnen yo pour examen, guys, okay? Now, if you have low urine output, guys, mean you're not losing water. And those kids they're losing water. They are dehydrated. When you dehydrated, has the okay now? Ella, good. Listen, guys. When you dehydrated, mean you don't have water. So you end up is gonna be always, guys, lap high because you're losing water. That's mean polyuria. That's what you gotta know, guys. Can somebody tell me? No, Timon ki gen inch pon disease. What is the nursing diagnosis? What is the nursing diagnosis, Mish? What is the nursing diagnosis in those babies? What's your nursing diagnosis? On a les qu'est-ce qu'il va ban moins at least deux nursing diagnosis sur ti moun sa yo. Ban deux nursing diagnosis.
and which one should be your first nursing diagnosis? The question is, which one should be your first nursing diagnosis? Mam deux nursing diagnostics pour examen. You remember it well. What is your nursing diagnosis? A newborn or baby is born and diagnosed with Inchbone disease. What is your nursing diagnosis? What is your nursing diagnosis? That's the question right there. What is your nursing diagnosis? What is your nursing diagnosis? Now, Timon Kigen Inchbone disease. What is the first nursing diagnosis? And then what is the next nursing diagnosis? Let's go, Eddie. What is the nursing diagnosis? Nursing diagnosis yo ka fè nan ti bébé sa yo ki gen problème Inchbone disease la. What is it? Bravo Chantal d'Orville. Bravo Chantal. Pour la pierre ou dim fluid, you don't tell me what happened with the fluid. Good job, Colette. Fluid volume deficit guys. Qui est-ce, si on moun la ki di premier diagnostic ou ta dwe veye, what is the very first diagnosis nan ti moun ki gen Inchbone disease nan? Si son nouveau étudiant bo $10 off, sou répond question sa. Moun ki étudiant nouveau ki répond question, depuis mwen répond ni, what is the first diagnostic ou ta dwe focus en tant que nurse? Ki premier diagnostic ou dwe focus nan ti bébé sa ou? Selon thème nan, look at the thème. An ale, mba on pou lui la. What is your nursing diagnosis? Premier nursing diagnosis you are supposed to be. I'm talking about the nursing diagnosis. Qui sort that with Dimon Zagne? Failure to try. Yeah, it's a nursing diagnosis, Ellie. Gom ki dim hydration, guy. We're talking about nursing diagnostic. Qui nursing diagnosis pour aller Dimon Zagne résoudre problème? Qu'est-ce qu'il a dit qui premier nursing diagnosis que tu as dit dans Dimon Zagne ou même ça a supposé la yogin? Guys, it's not fluid overload, it is fluid volume deficit. Get that? Timunan, they losing water, vomiting, diarrhea, they losing a lot of water. Therefore, Timun sab gain from nursing diagnosis, fluid volume deficit. Okay, guys? Now, the very, very first nursing diagnosis in ta fe, moi même en tant que nurse, m'dap dit Timun sa gain problem constipation due to decrease motility. Write it down. Constipation due to decrease motility. Constipation. Write it down. Constipation, guys. Now, Timun Sayo, yes, dehydration is a nursing diagnosis too. No gain sa ki en tant que nurse for toujours record the output and the input, guys. The input and output, you always have to record it. You have to document it. For documenting, remember that. Guys, you need to use comfort measure for those babies. For access skin, yo. For protéger skin, timoun nan. Po timoun nan, supposé protéger. Timoun sa yo, for veiller pour we, bouche yo ap sec, lèv yo ap sec. For toujours pour prendre soin. Non seulement pour ti moun nan ni bouche ti moun nan, faut toujours mouiller ti bouche ti moun nan, faut éviter pour ti moun sa bouche li pa sec. C'est à cause nous comprendre thème nan, min moi c'est dehydration qui problème que m'a dou ça m'a dou la oui. So ou même tout a pour supposer étudier le comme ça. Donc faut éduquer parents ti moun nan y a anxiety ou même qui ta kon ti moun ki problème ça, you gonna be very anxious. So en tant que nurse comme ta role pam nan wo, nan ça me pour me faire comme ta éduquer parents ti moun ça. Pour réduire anxiety, ok? Anxiety is a problem. Listen, guys. Ti moun sa yo, qui est-ce capable de dire si yon ti moun genye Inchbone disease? Do they need NG tube? Can you use NG tube in those babies? Do you need NG tube for those babies? Let's go. Do you need it? Yes or no? Do you need NG tube or you may need NG tube? Yes or no? Let's go, guys. Do you need it? And those babies. Do you need NG tube and those babies? It's decent. Why? Guys, gemoun ki di no, gemoun ki di yes. Remember, lèm tap pale talè ap do ti moun ki gen Inchbone disease nan, yo ka même entrer en shock, hypovolemic shock. So therefore, you have to get ready to make sure ti moun sa yo pou toujou veye pou wè comment yo ye. Yes, you're gonna need NG tube. Ti moun ki gen severe dehydration
on ti moun ka vomi a répétition, yes, you gonna need a little NG tube pour kapa feed ti bébé ça. Yes, veye ça, veye ça. You may need, do you guys need, remember that your main goal is to rehydrate the kid. Non moun ki kote dil deja depuis tout à l'heure. Your main goal as a nurse is to rehydrate the kid or to manage the sign symptom. That's your main goal. Tout symptom ti bébé a sot gen la fò bat pou manage en tant que nurse. Lè ou pose question, c'est pour être tout symptom yo koune yo. Dès pou konn symptom, ou ap konn comment pou manage en question examen. So therefore, c'est pour manage symptom, c'est pour checker pour ti moun nan, c'est pour recorder, c'est pour documenter input à output ti moun nan, mesure confort de mesure pour ti moun nan, c'est pour m'éduquer parent, anxiety qui involve. So sign symptom c'est fluid, administer fluid qui sale, breastfeeding the baby. That's what you have to do. So therefore guys, you make sure you did nan ka de CVD addition ou capable besoin ça qui relé NG tube là. Okay guys, now guys, do you need antibiotic, yes or no? Ma qu'est-ce qu'a dit yes, can you use antibiotic in those babies, yes or no? Do you need antibiotic as a treatment also? Nan pou treatment so do la yo, do you need antibiotic, yes or no? Let's go, let's see student, do you need antibiotic? Et dit c'est yes, yes. Ndame qui est citadine pour qui ça ou t'as besoin antibiotique dans ti moun sa. Why collect et dit and then you need antibiotic in those babies. And nan ki ka y a ba question hein. Nan ki ka ou capable besoin antibiotique pour traiter ti moun sa yo. Gen moun ki dit no, yes Mish, you need it. You need it Mish Yongo, you need antibiotic. Ti moun sa gen gros risque. Yo gen risque. Good job Cynthia, to prevent infection. Guys, those babies have high risk of infection, which is one of the complications. They by no one, you really leave. Come on, really complications are prevented, which is an infection. So you gotta treat that. You gotta treat with antibiotic, guys. Remember that. Remember that to examine for treatment. Et quand ça dépend bah ou l'examen sont pas ready, call healthcare provider, guys. You really entero. Colitis, yes, those baby they are prone to infection. Enterocolitis ou pa vle sa arrive, ti moun sa a besoin yon antibiotic pou ede ti moun sa. Very good job, guys. Now, simbal traitement, mwen manage tout symptom yo pa marche. Yo pa marche, kè si kapab di moun sa m fè? What is the surgery? What is the name of that surgery, AB? What is the name of that surgery? Now, nothing work. Nothing guys. Pa gen rien ki fonctionne, ti moun nan toujours continue à problème nan. Finalement faut passer par chirurgie. Faut passer par chirurgie pour m'aider ti moun sa ak problème nan. What is the name of that surgery? Bravo, bravo. Non moun ki di colonoscopy guys. It's colostomy. You're gonna need to a colostomy guys to remove that part of that colon ki gen problème nan pour ti moun sa capable soulage. That's everything you need to know about each one disease, guys. You manage the signs, symptom. Remember that. Timun sa gen risk. Can somebody tell me what about the? Should you monitor for BUN and hematocrit? Should you do that? Yes or no? Should you monitor for hematocrit, hemoglobin? Should you do that? And then why should you do that? Question. You have to monitor. Ya bon exhibit pou cheke pou wè ki so dwe cheke. What should you monitor for? Do you have to monitor for hemoglobin and hematocrit? Not hemoglobin, no. BUN. BUN and yes. Yes, guys. Of course, yes. Because, guys, hematocrit, when I talk about that, abe etujem le ma fè lektou la avè, non? Mte fè sa avè, non? For ve BUN, for ve sa ki yo rele hematocrit la, they're gonna be very, very increased. Be careful with that one. Now, guys, non palo exactement ki sa ki inchpon disease la, tout bagay ki yo dwe konen, avec an pil tranquillité pou kapap konkran ni, et jis ki sa ki inchpon disease la. Pabliye inchpon, nan mo pon, mwen se kom si se moun ka pran pou nyo, pou le ou gen. The number one problem is constipation.
parce que il y a obstruction qui fait au niveau de l'âge colon, pas oublier. OK? Juste pas oublier si moun sa ou les vomi qui coule vomir. Remember that. Remember we bon lack stool. Remember we bon lack stool. Remember vomiting is the screen. Remember they have failure to pass meconium. OK? Remember that for example. Now into susception n'a pas juste passé sous les bien vite il gant 9h et ça fait me remet les nous partager la bonne même gant grand pour m'a chance pour me faire un pile bagarre avoir pour me faire question pour me couvrir content yo pour na qui est capable dire what is into susception guys into susception number in non moi ouais intestine problem small intestine ouais. Into susception mean intestine. Susception mean c'est un trip qui tourne en vert, les créoles là. Les trip là fait comme ça, les tousser. Ouais, into susception mean tousser. C'est in signifie intestin tourne en vert ou bien tousser. Mais comment on bien belle, ouais, on te ba spoon non technique, on ba into susception non technique. Mes amis, on bagaille qui tourne en vert, into susception. So therefore, mwen ka wè ki symptoms ke mwen gen la guys. Into susception guys. Ou vin gen sa ki rele it's the part of the intestine and an bon anglais, it's the part of the intestine guys ki slide into another part of the intestine. Yo do slide mais bon ki wala, il tourne dans envers ou bien tousser. So that's a very medical emergency situation. Remember that it's a medical emergency. Ça parce que il pas causer ça qui relate poor perfusion to the intestine, guys. So that's what happened. Il vient tourner dans vers, puis là fait tourner dans vers. So moi imagine au visage ou maillot comment trip ça. So signs symptoms. Can somebody tell me the signs? Those baby guys, they're gonna have a lot of pain. Abdominal pain, remember that they're gonna have yap pull knee, yap reality genou yo. They're gonna pull their knees to their chest, guys. They're gonna pull their knee to their chest like that. Yap marit koyo, okay? So, therefore, yap gen sa krele abdominal pain. Nan, ki est-ce qui capable dire abdominal pain sa comment le ki caractéristique pain sa? Can somebody tell me, is it something sharp, dull, colicky? What is that? Souvenez ça pour examen pain, the characteristic of that pain. When we talk about into susception, comment pain ça vient dans timoun ça yo, pa blé nou y a ralé ti genou yo comme ça. Has the pain guys? Do you have a sharp or dull or colicky pain? Has the pain? Parce que imagine ou même changer genre l'op soit nettoyer un pool ou bien nettoyer un trip ou t'a tourné l'envers comment le voir lui avec ça me dit là m'gata parler bonne question m'gata connait comment si moun ça c'est le toilette etc c'est vomi comment le voir lui m'gata ouais question en examen. So just pay attention. Colic pain, yeah, good job Mathilde Beya. Colicky pain of CV pain guys. CV colicky pain. Wap gen, ti moun sa gen, yap gen vomiting also, they're gonna have diarrhea. They have diarrhea, guys. Remember, that's an intestine problem. So, yap gen colicky, yap gen CV, intermittent pain. Yap gen sa ki rele diarrhea. Guys, what I want you to understand, avant fini, le ou palo de into susception, le ou tout non trip nan ve ki koule la pie. Mais comment on fait? Le trip la vini li tourne dans vers l'autre la rentrer dans l'autre. La bloody, la red, bloody blood. You're gonna have a bloody stool, souligne pour moi, bloody stool. The kid may have fever, they may have constipation also and vomiting guys. Okay? Intussusception, souligne ça, ou joindre plus fréquemment dans ti moun ki gen cystic fibrosis surtout. Cystic fibrosis ou ap jwenn ni nan ti moun sa yo. So therefore yon into session ki vle di baga la te li tourne on baga ki tourne nan vegas automatiquement ti moun sa yo le ou gen stools le ou passe stool y ap gen koule a la bloody. Remember that. So those baby gen yon karakteristik pou stool pa yo yo men tale am de dou li rele we bon like parce que le constipé on pa ke ti bout toilette. Non,
inch point là, et ben dans monde qui gagne interception dans tourner hein, il y a bien une caractéristique dans toilette ça, il y aurait les lits, attendez pieds ça m'abdoula, il prend note. Si trip là tourner dans belle glisser, non ouais, donc on est là on trip tourner dans belle glisser. Il y aurait les lits correct jelly stool. Ou après maman ti mon nan a dit ouais tu la toilette toi l'argent glissé il semble avec ti bike saute la rime là dans yo le sa mucus gazi de caractéristique principale pour veiller dans examen c'est mucus and blood and mucus yo vinn mix yo vinn projet yo vinn créer yo vinn faire ça relé et correct jelly sous tant qu'on ti gel yo ouais ti gel yo mon ti grand yo manger yes couleur ça rouge. Remember that. Remember that for examen. OK? Now, moun sa yo ka pran soin de caregiver guy may report you that to you. Wapwe yo do blood. Depwe blood and mucus, that's why right there, that's the characteristic of the intussusception guys. Ti moun sa yo, yo gon on palpation, when you do palpation on those kids, on le capte encore. Quel certain bail tell me when you do palpation qui joue absenti vent ti moun sa yi. That's another characteristic pour veiller. À part de current jelly stool là. Remember current jelly stool les mix avec mucus and blood. Remember that. So when you palpate the abdomen of those little babies, wap jwenn yon caractéristique yo rele souligné, yo rele li sausage shaped abdomen. Abdomen ti moun an fait an kon sausage. But kon sa. So yo rele li sausage ab shape. Sausage shape abdominal mass. Tan kon mass. An ba moun, lò fè palpation nan nat ribon. Sausage, men mè kri ba m di l pou anko. Sausage shape abdominal mass on palpation. Wap chou. Se yon sin ki important pou intussusception nan gaz. Ti moun sa mable mdou la gen vomiting. Initialement ti moun nan kapab gen vomiti nan mais vomi ça li ki pi intéressant c'est lorsque la bilious tout vomissement yo vin yo bilious vomiting gas number one problème pour identifier pour résoudre problème là c'est barium enema. Write down barium enema may be used to fix that problem. Barium enema ka edo pour résoudre problème into susception sa. Make sure you write it down, please. Now, resolution, guys, with the onset of the bowel movement, because you're gonna have to use wap toujours ka utiliser barium enema pour aider avec problème bowel sa to get the bowel movement, guys. Okay. Now, therefore, nursing en tant que nurse. Guys, wap besoin fè lot bagay an pa de barium enema, wap yorele li contrast enema, contrast, ou barium enema, it's quicker, li pi facile pou kapap aide, et not only pou fè diagnostic, li edo avec therapeutiquement, li edo tout, you're gonna have to do a very, very, very good physical examination, remember, même bagay ou te fè avec inchponan, se même bagay metto sa wap utilize, pou fè x-ray, toujours fè x-ray, pour identifier quand des problèmes dans ou bien CT scan dans n'importe quel problème au niveau des colons ou bien obstruction pour éviter rupture pour éviter more obstruction pour éviter infection ou a toujours besoin pour faire x-ray ou a besoin faire CT scan ou a besoin faire test ça yo ou a besoin yo ou a besoin ultrasound ou a besoin faire tout net pour qu'a wè qui côté exactement problème dans yé si ti moun ça manage l'il pas traité ou a besoin faire chirurgie après faut identifier quand des problèmes dans yé. Guys, toujours faire un bon physical exam. C'est toujours manager symptômes pas ça, c'est même symptômes sont douleur faut toujours manager même baga là. We are doing the patient very good administer fluid. Si ti moun a besoin de NG tube, that's the same thing. But the difference is, moi vle pou konnen ki côté l'autre là c'était large intestin colon, hein? Li même c'est small intestin là. Ou a besoin problème ça. Et puis li même caractéristique principale et il tout sessionnant ti moun sa a bien un current jelly stool faut make sure prend note current jelly stool là c'est les mêmes pour veiller et puis y a bien un sausage mass abdominal mass c'est ça pour veiller et puis y a bien abdominal pain même genre avec l'autre ti moun yo même genre l'autre ti moun te parler avant y a bien abdominal pain c'est comme si ou vinn gon invagination the word is invagination of the bowel guys that's the problem.
So what is your nursing diagnosis? Same thing. You're going to have fluid volume deficit. You're going to have, that's the same problem, guys. Fluid volume deficit, you're going to have a shock, same problem, no? Same problem, guys. So therefore, si moun sa yo yo kapap menm gen fever, yap sweat, they gonna be sweating, ou bien diaphoretic, anxiety for the caregiver, same thing, abdominal distension, same thing, guys, rigidity, they gonna be rigid, yap gen acute abdominal pain, remember that. Ki eski kapap zim, kote, len ta palo de sausage mas la, lo fe papeche, nou ap veni nan white, hypochondrium, non? C'est là l'on fait palpation, non? On the right side of the abdomen, ou a besoin problème sausage shape massa qui sont caractéristiques importantes pour intussusception, guys. Now, vous faites un bon physical exam, guys. Donc, l'on fait un physical exam, non? Ou a besoin de problème, do you have to assess the white lower quadrant? Parce que t'as avancé avec même pas avlé. À poser trois questions pour nous pas fini et déterminer et white lower quadrant, that's where you're gonna find this problem on palpation. Et you really dense sign sausage shape mass abdominal mass là, you really ou avez vu dans lower quadrant qui c'est dense sign. What do you do as a nurse? Fluid. What do you do? What's your nursing action? What do you do as a nurse? How do you manage the problem? You manage the signs and symptoms. You administer fluid. You're gonna, the baby may need NG tube. Go for it, guys. That now, if it doesn't work, you manage all the signs and symptoms. It doesn't work, so you're gonna push. We'll continue avec chirurgie, guys. On va faire chirurgie pour qu'on ait chirurgie ça. Qu'est-ce qu'a dit comment il est chirurgie ça? Il fait pour tout le monde qui a un problème. Into susception. What is the name of the surgery? Guys, share the life. Keep sharing the life. We need to have more people. Nous pas arriver dans 9h10 ou même bien avant, m'a pas courage. M'a camper tem dans la route. M'a camper dans la route pour juste pour make sure me couvrir deux tem, j'aime te promettre, voilà. So encouragez-moi tout, partagez, guys. On allez. Donc, les 9h11, nous avons campé. Nous avons dit à la blague finie et puis d'accord. Keep sharing the live, guys. Let's go. You're gonna do a laparoscopy, guys. You're gonna use laparoscopy to reduce the intussusception, to reduce the problem of intussusception. Now, for réduire avec une laparoscopy. Ok? Donc, si vous avez le plus souvent, après chirurgie, vous avez pas a lot of pain, acute pain, the medication they love administering, guys, say morphine. You buy the morphine now via an IV. Souligner morphine IV. Morphine say IV. You buy li. You have toujours besoin. Et automatiquement, moi, pas passé. Tout ça me fait. Bye bye. You mende ma fluid, etc. Mane symptômes yo. You pas fonctionné automatiquement, guys. You have passé par chirurgie. Et puis pour aider problème ça. So, on va faire un. Iléostomie via laparoscopique dit to reduce the intus, that's the function of it. C'est pour retourner la place li dans genre triple retourner dans verre pour fixer problème ça. So therefore ti moun sa gen pile pain ou ben de préparer un IV morphine pour ti moun sa yo. So nous pas parler de stenosis pyloric ou bien pyloric stenosis là. Parce que nous n'avons pas grand temps couvrir la voix, mais by the way, guys, caractéristique principale pour VIH, il y a pas de sténosis pyloric là, ou bien pyloric sténosis là, c'est projectine vomiting. Même problème, électrolyte imbalance, vomissement, il y a perdu de l'eau, fluide, balance, etc. Électrolyte imbalance, c'est le same problème. Donc, caractéristique principale lui-même, c'est projectine vomiting. Non, nous n'avons pas de lui. You will have hypertrophy pyloric stenosis, guys. That's the question right there. Ti moun sa yo, yo gen problem au niveau de pylori ya. Automatiquement ba net blo ba prendre de nom nan cou a, nan nek sa la. So li vin enlarge, so li vin gen problem. So ti moun sa yo, y a gen problem en paquet de symptômes, même genre symptômes ça, il y a un risque pour malnutrition, il y a dehydrate, etc. Toujours checker hématocrit, toujours checker BUN, toujours c'est fluid volume deficit, toujours checker si mon état de malnutrition, etc. Fluid imbalance, same thing. But the key
caractéristique yo moins doux chaque thème yo qui caractéristique pour veiller guys si moun sa yo y a perdu poids en pile si moun qui gen paroxysme y a lose weight lose weight y a gen failure to gain weight and then they gonna lose a lot of weight guys those baby they are very y a vraiment fragile y a vraiment on palpation lo a fait palpation même si moun sa yo ou ap gen sa ki rele very hard on palpation hard pallori ap gen firm lap non tender lap mobo mas la lap mobile lap non tender and firm nan pyloric stenosis la pyloric stenosis la c'est ça qui passé c'est problème ça pour veiller dans examen ou jeune ça à partir de 3 4 à 12 semaines si moun ça au fait ou capable jouer un problème ça jusqu'à 4 mois même. Et puis symptômes ça c'est même problème symptômes là yo gen vomissement toujours c'est même problème dans gaz vomissement gen changement au niveau de stool ti moun nan mais caractéristique principale là c'est projectile vomitine nan ti moun ça toujours grand goût même les au manger mais yo toujours vomi attendez bien oui caractéristique là yo fin manger yo vomi automatiquement au fin manger ti moun ça vomi l'autre caractéristique pour veiller pour lui ça fait 3 tout bon là ouais m'dou encourage yo rele olive shape pas confuse sauce shape nous on parle dans tout ces shape pas bien tout ces simple et puis olive shape là olive shape même je connais mot olive là c'est même caractéristique ça pour veiller non problème c'est toujours dans white le même va venir dans white upper quadrant souligner ça pour examen c'est dans white upper quadrant là ou avoir joindre problème tandis que pour une tout ceci c'est le white lower quadrant fais attention fais différence là pour examen et pour aller prendre question sans aucun problème toujours ces mêmes labio pour access toujours ces mêmes problèmes là reage de kid access de skin t'es pour toujours éduquer parents toujours encourager parents anxiety pour parents ti moun nan toujours c'est ça c'est fluide ti moun ça ka guérir pour entrer en choc toujours get ready pour faire ça les pediatric advanced life support là pediatric advanced life support a besoin d'eau gars a toujours besoin chirurgie dans moun ki gen pyloric là pour obliger faire pyloromyotomie on pour résoudre problème ça qui gagne au niveau des pyloria guys that's the very everything that you're gonna need manage the symptoms we are with the client that's all diet good diet breastfeeding the baby that's basically what the même diagnostic yo CT scan x-ray etc pour voir pour des problèmes toujours le signe diagnostic fluid volume deficit même problème là même bagarre c'est caractéristique principale sous pour chaque graine maladie ça vous pouvez. Par exemple, nous là, c'est pas l'oxygène, c'est là, il y a une forme qui est olive shape form. Olive shape form, c'est ça on voulait pour veiller. Et puis avec projectile, vomissement, on vomissement à projectile, donc c'est gang, y'a du gang, clic. So, l'on tire, clic. So, vomissement, ça c'est comme si le petit monde ça tire, ou même qui est bébé, ça comme ça va jouer. Le petit monde vomit, c'est comme si le petit monde ça a gagné un gros boulet dans le visage. Veille l'examen. C'était docteur Paula, lui né dans West Palm Beach. Mais bon, trois. Next Sunday, si je ne nous partager avec plusieurs monde et puis tout semaine là, pour pas partager, je ne pas continuer avec le travail. Ça encore, parce que je voulais pour encourager, pour moi-même tout, pour me encourager. Je fais trois thèmes à voir, soyez qui ont remis dans l'examen, et je qui côté pour veiller question. Toujours à cesse. Ou risque of dehydration ou bien choc, hypovolemic choc, toujours checker hématocrite, toujours checker BUN, toujours veiller potassium, toujours veiller calcium, toujours veiller magnésium dans question en examen, guys. Toujours, tout le monde a le même problème, non? Toujours même problème, mais caractéristiques différentes. C'est le même qui permet de prendre question en examen. Grex, guess what, guys? Moi, bon, long play, mais ma tante pour moi, moun kap connecte vidéo nan ki pa rele pou di m ruine ban mwen jou la parce que ou pran tan ou gen patience pou fè travay la ban mon review ou besoin passe examen klex rele m nan 561 319 46 60. If you need a tutor, you need somebody to teach you how to pass your NCLEX exam, call me at 561 319 46 60. Si toutefois examen là pour pas bien temps prendre tout 3 mois review ou ka commencer mon ka acheter package là pour étudier pour aller passer examen clex gaz. Donc guys, moi pas bien temps faire question à voir soya parce que question à prendre temps même pour mettre tout
dans next week avant que me commencer me la commencer à question ça yo et puis pour me parler pour faire l'autre thème avec vous. Merci ou même qui t'ai partagé ou même qui t'ai branché, pas oublier trois thèmes ça on parler avant. C'était premier thème c'était Inchpond disease qui nous t'ai parlé avec vous et puis deuxième thème nous t'ai parlé de into susception et puis troisième thème nous m'ajouté sous les pour qui est les pyloric stenosis là. Pyloric stenosis là c'est l'autre problème au niveau de GI dans petit bébé. OK? Merci guys. Napwe non si bon Dieu veut dans l'autre pour l'autre dimanche pour dimanche prochain même là à 8h n'a conjan pour nous pour pour faire bagaille qui plus short but ou qu'on aime vle mettre dans zo bra tête on prend plus temps même t'es capable prendre temps dans faire li dans 10 à 15 minutes but pas faire c'est pour capable pour les ma petit sous love dans classe moyen c'est comme ça m'a prendre mettre dans tête tout pas poser question qui côté l'école qui est-ce qu'on inscrit qui côté fait nan exit. I don't ask you none of those questions guys. I'm not gonna ask you. Guys, everybody, you know yourself. You know what you have done. You know where have you been. You know everything. I don't know nothing. But, ou besoin que pon review nan même, vini. I'm gonna do my best to teach you how to pass your NCLEX in your own language, guys. Ou met vini, mape do ou même tout fait for pour la. Call me at 561-319-4660, guys. To help you pass your NCLEX exam. Dr. Luné, 561-319-4660. I love you all guys. Keep sharing the live. Encouragez-moi pour moi-même tout me encourager chaque dimanche pour me prendre temps ça pour montrer la carreau pour mes dos. Merci. M'a pas appel ou même qui besoin étudiant qui besoin enregistrer pour mes dos passer examen à toute content tout de connait yo. Relé 561-319-4660. If you want a tutor, you want to buy the package, you want to buy the handbooks, guys, the booklet, call me at 561-319-4660, guys. The package is written in English, only in English, very detailed, a lot of information in there. Call me. Thank you, guys. See you next Sunday.